Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi, je vais très bien parce que je suis ceci, qui est peut-être, si vous l'avez vu sur Twitter, et en fait le colis de swap qu'on a fait avec Margot. Un swap, c'est genre on s'envoie chacun un colis avec un objet dédié et un thème, et ensuite on ouvre le colis en vidéo et c'est rigolo. Et on a décidé de faire un colis sur le thème prendre soin de soi. Parce que c'est important quand on milite, et de manière générale dans la vie, de prendre soin de soi, de prendre aussi un petit peu soin des autres par la même occasion. On s'est envoyé chacune un colis et donc voilà, je vais ouvrir parce que je l'ai reçu ce matin et en fait j'ai très envie de l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Oh là là, c'est trop mignon. Parce qu'il y a des jolis, jolis emballages et plein de papier bulle. Je sais pas comment je vais commencer. Je vais devoir poser ça là. Donc il y a d'abord une carte avec normalement un petit mot et puis oh il y a un petit masking tape à paillettes. Et j'ai pas l'impression qu'elle a foutu des paillettes dans le colis, je veux dire. Ce que je n'ai pas fait non plus, je tiens à le dire. Parce que j'ai oublié. J'aurais bien aimé du foot plein plein de paillettes et comme ça que ça explose dans son appartement. Mais j'ai zappé. Oh, la carte est trop mignonne, c'est une licorne. Un colis plein de surprises qui j'espère te trouver en forme. C'est avec beaucoup d'amour que j'ai rassemblé tous ces petits objets pour prendre soin de toi. Je pense fort à toi, Margot. Trop chou. Et oh là là, il y a un menu du colis. Alors. Elle l'a fait quand même vachement mieux que moi, moi j'ai écrit sur un petit papier. Avec les différents paquets et ce qu'il y a dedans. Ok. Là j'ai le 1. Numéro 1. Je commence avec des paillettes. Il y a des paillettes dedans, ça va exploser. Mais ça peut potentiellement te donner un aperçu du colis. J'ai trouvé cette petite merveille dans une boutique cachée au fond de ma ville. Mon Dieu, c'est des tatouages de licorne. Des tatouages de licorne avec des petits arcs-en-ciel trop mignons. Oh là là, c'est des petits trucs pour enfants, vous savez, vous mettez de l'eau et puis ça fait des tatouages. C'est trop chou. Je sais absolument pas dans quel contexte je vais mettre ça, mais c'est absolument trop mignon. Ensuite, le 2. Je sais que tu écris que tu notes beaucoup de choses. On n'a jamais. Ouais, ben ça doit être un carnet, je pense. Ça doit être un carnet licorne. Enfin, je dis à tout le monde, arrêtez de m'acheter des trucs licornes. Parce que j'en ai trop. Et c'est un carnet licorne. Et c'est deux carnets. D'ailleurs, c'est un petit carnet licorne ici. Et de l'autre côté, c'est un petit cerf. Le cerf est plus mignon. Il me fait penser au cerf de Miyazaki. Oh là là, c'est super chou. Oh là là, merci. Ensuite, c'est le 3. Je voulais t'offrir quelque chose de pratique avec de la place. C'est un truc pour écrire aussi. C'est un carnet. Ouais, il y a une reliure que je sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un. Oui. Ah, boum boum, tout s'en va. Oh là là, ce paquet est trop mignon. Il y a des animaux, genre des lions, des girafes et tout. Et donc, c'est effectivement un carnet. Il y a des stylos dedans. Ah oui, c'est un truc. Enfin, c'est un carnet ligné, quoi. Et il y a des intercalaires. Trop chou. C'est mignon comme tout. Oh là là. Et il est avec des couleurs. C'est chou. Bon, j'ai plein de trucs pour écrire. On n'a jamais trop de trucs pour écrire, moi je dis. Donc le 4. Ça doit être ça. 4. J'ai vu cet objet tout doux. Super utile. Il ferme bien. Ah, ça doit être un petit thermos, peut-être pour mettre du thé. Il y a des rubans partout. Ah oui, c'est une gourde. C'est ça. C'est une petite gourde. Elle est trop chou.
Regardez, elle est verte, verte jolie. Et il y a une. Ouais, il y a le bouchon. Comme ça. Ah oui, il y a une poignée. Et il y a le bouchon comme ça. Et une poignée. On peut s'en servir comme ça. On peut le mettre à sa ceinture. Comme ça, c'est stylé. Non, pas du tout. Ah. Mmh. 5. Oh, tout est hyper bien emballé. Bon, 5, c'est une tasse. Dans la veine de l'hydratation, un animal qui se rapproche de la licorne. Ah, c'est pas une licorne. À mon avis, c'est un lama. Parce qu'elle dit que c'est tout fluffy et fabulous. Et ça doit être un lama. Une tasse lama, j'en ai pas. Et oui, c'est un lama. Une tasse lama, elle est super jolie. Franchement. Parce que des fois, on trouve des tasses lama, mais genre, c'est méga kitsch et pas beau. Et là, elle est canon. Alors, je sais pas, en fait, je me rends pas compte où est la mise au point. Mais bon, voilà, c'est une jolie petite tasse lama que je vais poser par terre, en espérant ne pas la casser. Il y en a encore plein. C'est trop cool. En plus, moi, du coup, Margot a reçu son colis hier. Et donc, j'ai vu son unboxing en avant-première déjà. Et donc, je sais qu'elle a aimé son colis. Et bon, je savais déjà que mon colis allait me plaire, mais... Mais c'est encore plus mieux en vrai. Ah, elle a quand même pensé à mettre une petite barre sur le 6 pour qu'on voit que c'est un 6 et qu'on ne croit pas que c'est un 9. C'est du thé. Eh oui, c'est du thé. Du rooibos en plus. Ah, j'en avais plus. Et je me disais justement, ah là là, il me faudrait un nouveau rooibos. Parce que c'est quand même bien quand on a quelque chose de déthéiné. Et alors par contre, comment il s'ouvre? Ah, voilà. Déjà... Ah bah il est dedans, mais il est en sachet. Bon, ça sent bon de toute manière le rooibos. Là je le sens un petit peu à faire. Faudrait que j'enlève le plastique et que je le mette dans la boîte. Trop bien. Il m'en manquait justement. J'ai bien fait de ne pas en racheter puisque j'en ai là. Aucune idée de l'occasion à laquelle ça te servira. Qu'est-ce que c'est? C'est rond. C'est ça. Ah! Oh mon dieu! Ah, ça a explosé! Alors, bon, du coup, je vous montre. Faudrait que j'essaye de le remettre parce que... En fait, ce sont des... C'est des trucs, il y a des grosses paillettes dedans. Et donc tu peux les... Enfin, ça fait un canon à paillettes, quoi, en fait. Et en fait, il y en a un qui vient de s'ouvrir sur ma robe. Dommage. Oh là là. Bon, bah, en fait, il y avait des paillettes. Mais c'est vraiment chou, ce truc-là. Celles qui sont tombées par terre, on va abandonner. On va mettre le bouchon. Voilà. Donc, en fait, voilà, on... Le but, c'est t'appuies là et puis ça pop, quoi. Et comme j'ai appuyé sans faire exprès, comme une gourde, je pense que je mettrais des scotch sur les bouchons pour éviter de les mettre par erreur, genre dans mon placard ou dans mon tiroir. Ok, bon, magnifique. Et là, c'est un masque en gelée, le Bunny Moon. Je pense que c'est parce que ça s'appelle Bunny que Margot a choisi ce masque, clairement. Pour une peau claire comme la lune et douce comme les oreilles de lapin. Faites conscience au miel apaisant, à l'infusion de camomille. Super, j'en ai pas en plus de masque en gelée comme ça. Enfin, j'avais eu un échantillon en achetant des trucs lush. Mais du coup, j'avais pas pris le masque. Donc là, c'est la catégorie produits lush, clairement. Et du coup, il y a des bombes de bain. Oh, 3 bombes de bain. Trop bien. J'en prends jamais, enfin... Enfin, je me dis, ouais, peut-être je vais en prendre une, etc. Mais je sais pas, à prendre pour soi, bah, il faudrait, je pense, plus acheter des trucs pour soi. Mais bon, du coup, je le fais pas. Et donc, ceci, c'est une pompe de bain Galaxy. Magnifique. Je ne pense pas que vous la voyez, mais je vous dis, elle est très belle. Trop hâte. Je vais me faire un bain ce week-end. En plus, je suis seule à l'appart. Clairement, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, je vais pouvoir prendre un bain. Je pars en regardant une série ou en écoutant un podcast. Oh, il y a de l'avocat dans celui-là. C'est une autre bombe de bain.
qui est vert clair. Et voilà, trop cool. Et je crois que les bombes de vent, on peut les couper en deux pour éviter d'en utiliser une entière pour genre un bain. Parce que c'est vrai que c'est des gros trucs, quoi. Je sais pas si... Et une autre qui est trop jolie. Elle a du rose et du orange et du bleu. Mon dieu, ça va me faire une baignoire. Je viens de laver ma baignoire en plus. Faudrait que je la relave après. Ah là là, des couleurs vives, du sucre pétillant, de la vanille réconfortante. Ça sent bon, mais ça sent fort par contre. Je pense, c'est le problème avec les produits lèche souvent, c'est qu'ils sont vraiment super, mais c'était un peu hypersensible du nez, clairement. Je pense que tu vas décéder. Déjà que quand tu passes devant un magasin lèche dans la rue, tu sais qu'il y a un magasin lèche, en fait, tu le sens à genre 4 rues. Tu sais, ah, par là, c'est le magasin lèche. Donc, ouais. Du coup, voilà. Oh, des bombes de parloge. C'est trop cool. 10. Il y en a encore, quoi. Et encore plein de papier bulle. Ça tombe bien parce que nous avons un déménagement à faire. 10. C'est ça. Oh, il est trop chou ce paquet. Une activité manuelle. Que tu aimes bien. Ça doit être du crochet. Je pense. D'ailleurs, je lui ai offert un petit doudou en crochet. Il est joli, le paquet. Et il y a des os. Ça, c'est la signature de Jean-Jean, parce qu'il a mordi un coin du paquet. Mais bon, ça va, c'est du carton. Oh là là, oui. C'est de quoi faire un petit ours en... Enfin, un petit lion. Un lion ou un ours, ouais. Un petit lion. En crochet. Et il y a la laine et tout. Mais c'est chou, je vais pouvoir l'ajouter à mes trucs de crochet. Ah. Et faire des nouveaux trucs en crochet. Mais j'ai 12 000 pelotes et tout. Il faudrait que je m'y remette. Depuis que j'ai repris le travail, j'ai arrêté le crochet. Mais bon. Et il y en a encore. Prendre soin de soi. C'est le 11. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être une plante. Je pense. 11. Ouais, il doit y avoir une bouture. Ouais, ça doit être de la terre. Et ça doit être une bouture. Et du coup, je vais essayer de faire gaffe parce que s'il y a des trucs qui craignent un peu. Ça, c'est la bouture. Ouais, ça, c'est une bouture du coup. Elle est très bien emballée. Il va falloir que je la mette dans l'eau vite. Du coup, ça doit être du terreau. Avec des crottes de vengeance dedans, à tous les coups. Ouais, voilà, ça c'est de la terre. Ok. Alors ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Parce que je pense qu'il doit y avoir le pot là. Ça, c'est un tout petit papier, mais ça doit aller avec. Ah, c'est une suspension, du coup. Et de quoi l'accrocher à une porte. Et ça, c'est bien parce que, en fait, moi, j'ai pas genre de poutre ou de trucs sur lesquels je pourrais accrocher des choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'avais pas pris de suspension jusqu'à présent. Mais là, du coup, elle a trouvé un accroche-porte. Comme ça, je vais pouvoir le mettre peut-être, peut-être là, sur la porte de mon placard. Et du coup, alors là, on voit pas bien parce qu'il n'y a pas le pot dedans. Mais c'est une suspension macramé avec une super... un tissage hélice qui est très joli. Et du coup, on doit avoir le pot. Non, c'est pas un pot, ça. Ah bah non. Ça, c'est le pot. Ah oui, je suis bête. C'est le pot de confiture qu'on met dedans. Et en fait, comme c'est multi-usage, il y a la plante dedans. Mon Dieu. Alors, il devrait y avoir un mode d'emploi, moi je dis. Mais là, ça se défait. Oh, mais j'ai emmêlé. Peut-être c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Bon, bah, on dira que j'arriverai à mettre dedans. Ouais, c'est ce genre ça. Bon, là, c'est très mal fait. Mais ça fait genre ça. C'est bien parce qu'elle est petite et du coup, je pense que ça ira au-dessus d'une porte. C'est chou, il va falloir que je m'occupe de cette plante très vite.
Et la pièce finale du colis. Pourtant, tu auras les muscles qui tirent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est doux. Ça doit être genre un... Je sais pas, c'est pas un plaid petit comme ça, mais... Une bouillotte peut-être. Qu'est-ce que... C'est un serpent. C'est un coussin chauffant, oui. Ah non, c'est pas un serpent du tout. C'est un renard, mais il n'a pas de pattes, donc ça trompe à confusion. Ah, mais oui. Et du coup, comme ça. Ah, c'est trop bien. Je sais pas, je regarderai comment il faut le chauffer. Mais bon, bref, tu le chauffes, et après tu le mets là, et comme ça, ça détend. Et c'est beau. Oh là là, voilà, je suis swaggée comme tout. Et j'ai fini. J'ai tout ouvert. Il y a des paillettes par terre, c'est magnifique. Et c'est trop chou. Et c'était vraiment une très bonne idée, ce colis. Et en plus, j'ai encore plus content parce qu'en fait, je sais qu'il y en a un deuxième qui arrive. Puisque je fais un swap aussi avec Tout est politique. Et ça va être sympa aussi. Ça fait beaucoup de paquets, tout ça. Et beaucoup de petits cadeaux. Je suis très content. Et oh là là, je vais prendre un bain. Ça va être bien. Et je vais me faire un masque. Et ça va être cool. Oh là là. Et je vais faire des tatouages de licorne avec des décalcomanies. Enfin, genre ça fait penser aux décalcomanies. Mais c'est mignon. Et je vais m'occuper de cette petite plante qui est super chou. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais absolument pas comment la terminer. Je vous renverrai vers la vidéo de Margot, qui est très cool. Et bon, j'imagine que vous connaissez déjà sa chaîne, mais au cas où vous la connaissez pas, allez la voir parce que c'est vachement bien. Et du coup, si vous aimez les suspensions macramé, sachez qu'elle en fait et qu'elle en vend et qu'elle en fait des fois des personnalisées. Et d'ailleurs, je vais vous faire des fils colorés pour qu'elle fasse d'autres suspensions. Donc voilà, c'est plutôt stylé tout ça. On se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos en septembre, de manière assez sérieuse. Là, c'est les vidéos de l'été, donc on fait un petit peu n'importe quoi, on fait des swaps et des FAQ. Mais en septembre, je reviens de manière sérieuse avec des conseils lecture, tout ça, des choses très sérieuses. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Portez-vous bien et puis on se redonne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.